Let's go! Ah, Piggy et sa sœur, personne n'abandonne. Deux personnes, une chemise. C'est mon jus! Maman nous a dit de partager. Vous vous disputez pour un si petit problème, contrairement à nous. Lucie et toi, vous disputez aussi parfois. Oh, Wolfo a été démasqué par son ami. Faisons ce défi. Celui qui enlève sa chemise le premier perdra. Rejoins-moi, je ne pense pas qu'il puisse y arriver. S'il continue de se battre comme le pense Piggy, l'équipe de Wolfo pourrait bien perdre. Chercher d'autres boissons. Quelle équipe encouragerez-vous? On se serre les coudes. Quelle belle collaboration! L'équipe de Piggy est à l'opposé. Aïe! Comment peuvent-ils gagner à ce rythme si c'est comme ça? Abandonnez! Pas question! C'est juste de rester proche. Bouge un peu. Oh non. Ah, nous avons gagné. Il s'agit de partager et de travailler en équipe. On va s'entendre à partir de maintenant, ok? Et vous? Oh, les toilettes sont en réparation. Stop, stop! N'urine pas dans la baignoire, Wolfo. Stop! Je répare les toilettes. Tu devrais utiliser le pot. Oh non, Wolfo a envie de faire pipi, mais il ne trouve le pot nulle part. Pour toi. Wolfo! Wolfo pense que l'urine s'écoule par le trou d'évacuation de la baignoire. Non. Quelles sont les conséquences d'aller aux toilettes au mauvais endroit? Attendons de voir la réponse, les gars. Regardez, les vilaines gouttes d'urine laissent de mauvaises odeurs dans toute la salle de bain. Tournons un bain à Lucie.
De plus, il contamine également l'eau propre. C'est la raison pour laquelle Lucie a une éruption cutanée rouge sur tout le corps. Ne faites pas pipi dans la baignoire. Utilisez le pot et les toilettes. Oui, j'ai compris, maman. Les gars, regardez ça. Quelque chose de terrible est arrivé aux enfants Wolf. Wolfou a perdu la mémoire. Wolfou, on peut faire le cheval, s'il te plaît? Oui, oui! Plus vite, plus vite! Tu peux arrêter de faire ça? Plus vite! Lucie n'écoute pas du tout Wolfou. Oh non, quelle est l'intention de Wolfou? Est-ce qu'il ne va pas? Qui es-tu? C'est moi, Lucie. Ta sœur. Pouvez-vous deviner à quoi sert cette idée de Wolfou? Il lui manque une partie de son esprit. Vos bons vieux souvenirs ensemble peuvent l'aider à récupérer. Oui. Je connais pas. Maintenant, il est trop tard pour que Lucie regrette de ne pas s'être souciée des sentiments de Wolfou. Je vais t'en donner un peu plus. Tu t'occupais bien de moi avant. Wolfou, tu m'as vraiment oublié. Je suis désolée. Ça va, Lucie? Je voulais juste te donner une leçon. J'ai compris. Je serai gentille désormais. Soyez gentille à la piscine. Êtes-vous prêt à nager avec Wolfou? Regardez mon matelas flottant. On peut essayer? Non. Ah ah! Wolfou et Pando ont des soupçons. Allez-vous-en! Arrêtez! Vous dérangez les autres.
Désolée. Eh bien, on n'a qu'à utiliser nos flotteurs. Oh, Wolf a dû penser à un autre moyen. L'imagination de Wolfou est si intéressante. Selon vous, l'idée d'un bateau parapluie est-elle réalisable? Jouez la carte de la sécurité, d'accord? Oh non, ça ne va pas. À l'aide! À l'aide! Les vêtements de natation ne doivent être apportés que dans l'eau. Ne jetez pas non plus d'objets près de la piscine. J'ai compris, papa. Combien de conseils de sécurité y a-t-il à la piscine? Oh, que s'est-il passé pour que Lucie interdise à Wolfou d'entrer à l'intérieur? Non! Journée Wolfou Spa. Wouah! Le spa de la petite propriétaire Lucie est entièrement équipé. Et Wolfou veut vraiment faire l'expérience. Assieds-toi, s'il te plaît. Hey, Wolfou, ce n'est pas bien. Allez, je veux un masque du visage. Tu veux un masque ou pas? Oh non, Wolfou n'arrête pas d'embrouiller les gens au spa de Lucie. Tu n'as plus le droit d'entrer dans mon spa. Hé, laisse-moi entrer. Ah ah, Lucie avait prévu le plan de déguisement de Wolfou. Lucie nous a invités dans son spa. C'est le résultat de la manipulation des autres, Wolfou. Si tu n'es pas gentil, personne ne voudra jouer avec toi. Je suis désolée, je ne le referai pas. Paix de bébé partout.
Pourquoi Nancy panique-t-elle? Jenny a encore fait caca? Oh non, comment Lucie peut-elle manger maintenant? Jenny. C'est pas grave, mange-le. Regarde. Walfou, salut. Regarde-moi. Waouh, voici Lucie lorsqu'elle était bébé. Oh non! Je suis vraiment désolée. Walfo, veux-tu dire quelque chose à tes parents? Il s'avère que Lucie a également beaucoup pété lorsqu'elle était enfant, tout comme Jenny. Encore plus impressionnant. T'inquiète pas, apprends-lui juste à aller sur le pot. Jenny, quand tu veux faire pipi, va t'asseoir sur le pot. Lucie ne sait toujours pas comment s'essuyer les fesses. Regardez, Lucie a encore laissé sortir ses fesses sales. Je ne sais pas comment essuyer mon popo. Laissez-moi vous aider. Comment Papa Wolf va-t-il aider Lucie? Je vous montre maintenant comment faire. Wow, les illustrations de Papa Wolf sont vraiment faciles à comprendre. Tout d'abord, prenez suffisamment de papier hygiénique. Pliez-le. Essuyez-le ensuite de l'avant vers l'arrière. Pliez et essuyez à nouveau. L'opération est terminée lorsque le papier est propre. Voyons comment Wolfou et Lucie vont s'entraîner. Pas trop. Le plier. Pas comme ça. Ah-ha.
faire maintenant. Oups, il faut que je m'entraîne maintenant. Rincez et lavez-vous les mains après avoir terminé. Le camion de glace sale. Oh non, le voleur rhinocéros a déjà volé le camion de glace de Monsieur Zebra. Est-ce que je pourrais avoir une glace, s'il vous plaît? Les mains du voleur rhinocéros sont si sales. Et vous? Amenez vos amis ici, je vous donnerai une glace gratuite. Les enfants, regardez, l'intérieur du camion de glace est en désordre. Et aussi très peu hygiénique. Ne mange pas cette glace, elles sont vraiment sales. Beurre, il y a une mouche dans la glace. Votre glace lui a donné mal au ventre. Rendez-nous notre argent. Si le restaurant ou la nourriture elle-même est sale, ne la mangez pas, d'accord? Vous êtes si intelligent pour comprendre ça. Les parents Flash sont-ils formidables ou non? Génial! Kat, il n'y aurait pas un moyen pour que mes parents soient plus rapides. Pourquoi Wolfou pense-t-il ainsi? J'aimerais que mes parents soient flash, comme ça tout serait fait très vite. Oh!
Bonjour. Ta-da ! Wow. Dans l'imaginaire de Wolfou, les parents sont formidables. Allons faire du jogging. Attends. Les parents sont des super-héros qui ne sont pas aussi bons qu'on le croit. Wolfou, pouvez-vous deviner quelle est l'idée de Kat? Papa! Merci, Wolfou. Maman! Beau travail! Y a-t-il tant de monde et tant d'agitation? Les bébés musclés. Je dois partir maintenant. Revenons une prochaine fois. Pourquoi est-ce qu'on avait autant de muscles avant? Et beaucoup nous admiraient. Les enfants, peux-tu nous aider à réparer la cabane? Regardez, les bébés ont des muscles, c'est cool. Peut-être qu'on ne s'entraîne pas assez, alors on n'est plus aussi fort. Recommençons. Travaillons dur ensemble. Cette façon de reprendre du muscle n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que vous faites de l'exercice à ce point? C'est parce qu'on veut avoir des muscles. À votre âge, les muscles ne sont pas encore développés. Vous devez seulement manger et boire proprement pour rester en bonne santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait des muscles quand on était bébé? Il s'avère que les bébés portent des t-shirts moulants juste pour prendre des photos. On va faire de l'exercice proprement pour rester en santé désormais. Désolé, nous ne pouvons pas aller au cinéma avec Wolfou. Maman, papa, est-ce que vous allez revenir à temps pour qu'on puisse regarder le film tous ensemble? Notre vol a été annulé. Nous essaierons de revenir dès que possible.
Wolfou pourra-t-il regarder des films avec ses parents ? Ne sois pas triste, Wolfou. Tu peux t'asseoir avec notre famille. Merci. Pour toi. Wolfou doit se sentir si triste. Viens ici. Wolfou? Bonjour, professeur. Est-ce qu'il est encore temps pour nous d'aller au cinéma? Le film est terminé. Wolfou a été si triste toute la journée. Wolfou a été bien triste aujourd'hui. Quelle était l'idée de Daddy Wolf? Ok. Désolé, Wolfou. On t'a fait attendre si longtemps. Heureusement, on peut regarder le film ensemble. Vous voyez, c'est en famille qu'on est le plus heureux, non? Le concours de mannequins. Vous devez préparer votre propre costume. Celui qui aura le plus de votes gagnera. Voyons ce que les trois enfants vont préparer pour le prochain concours de mannequins. Je suis sûre de gagner. Alors que Lucie et Nancy portent de belles robes, Amy n'a toujours rien à se mettre. La tenue créée par Amy sera unique en son genre. Très créatif, Amy. Ce n'est que du carton. Je trouve ça mignon. Le concours est sur le point d'avoir lieu. Devinez qui va gagner. Merci. Et maintenant, Lucie. Et voilà Nancy. Oh, les pierres précieuses scintillantes sur la robe de Nancy ont influencé tout le monde par inadvertance. Mon Dieu, que doit faire Amy maintenant? Hé, dépêche-toi, chérie. Quelle solution créative! La gagnante est Amy! Comment est-ce que tout le monde peut aimer cette robe? Se moquer des autres, c'est pas joli, Nancy. Tout le monde aime cette robe parce que Amy a mis beaucoup d'efforts pour la faire. Je
suis désolée d'avoir été méchante avec toi. La robe est très chouette. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Lucie? Le bébé zombie. Est-ce que tu peux surveiller Lucie pour moi? Je vais un petit peu au jardin. Pourquoi Lucie suit-elle Wolfou? Wolfou s'est alors imaginé que Lucie était un zombie. Wolfou était prêt à se battre comme un guerrier. Maman! Wolfou, ne fais pas ça à ta sœur. Maman, regarde ça. Oh non. Les bébés ont tendance à suivre les personnes qu'ils connaissent, comme leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et si elle mord, c'est parce qu'elle est en train de faire ses dents. Ah, j'ai compris. Je pensais que t'étais devenu un zombie. Oh, que s'est-il passé? Maman! 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 Stop! Les enfants, n'allez pas trop loin de votre mère. Wolfou, il y a beaucoup de monde à la foire aujourd'hui. Alors reviens immédiatement après que tu sois allé aux toilettes. Oui, oui. Remise exceptionnelle de 50% sur tous les jouets. Mon Dieu, Wolfou a oublié ce que sa mère lui a dit. Oh non, c'est ainsi que Wolfou s'est perdu. Maman! Wolfou? Wolfou! Wolfou! Wolfou. Maman! Maman, où es-tu? Tu es perdu aussi? Allons chercher nos mamans ensemble. J'ai si froid. Est-ce qu'on peut aller là pour se réchauffer un peu? Oui, oui.
Mais peuvent-ils dormir ici? Les enfants, pourquoi dormez-vous ici? C'est dangereux. On est perdu. On se repose juste un peu et après on va chercher nos mamans. Regardez. Ouf, Wolfou et Casper ont failli rester coincés dans l'entrepôt toute la nuit. Si vous vous perdez, trouvez immédiatement un officier de police pour lui demander de l'aide. Oh. Oui. Oui. Maman. Wolfou. On est désolé, on partira plus jamais tout seul. Arrête! Non, non! Ne laissez pas Jenny boire de l'eau gazeuse. On dirait que les deux sœurs s'amusent beaucoup à jouer ensemble. La méthode de Lucie aidera-t-elle Jenny à manger? Jenny, regarde! Jenny a mal aux dents, alors elle ne va probablement pas manger. Est-ce que vous pouvez veiller sur elle? Oui! Papy? Pour toi. Merci, Lucie. Mais je suis trop fatiguée. Je ne peux pas manger. Mais comment tu peux guérir si tu manges pas? Il utilise des médicaments, alors il n'a pas besoin de manger aujourd'hui. Mon Dieu, il s'avère que Lucie pensait que si Jenny suivait une thérapie, elle n'aurait pas besoin de manger. Jenny n'aime pas l'infusion. Peut-être qu'elle devrait juste la boire. Hey Lucie, Jenny ne peut pas boire d'eau gazeuse. Jenny a allé mieux, comme le docteur a dit. Ce ne sont que des jouets. Et seuls les docteurs peuvent utiliser les infusions pour traiter les patients. Oui. Grâce au docteur Lucie, Jenny mange bien.